Alors en fait, tu vois, tu vas avoir plein de gens, ils vont te dire, ouais, si tu veux t'en sortir, il faut faire des économies, faut faire des économies, machin, faut te serrer la vis et puis tu auras plus de pognon. Ouais, t'es gentil, mais quand t'as pas de thunes, qu'est-ce que tu veux te serrer la vis quand t'as rien qui rentre? C'est ça que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, tu peux tourner les choses dans tous les sens. Si t'as pas un revenu régulier qui rentre, tu vois, si t'as pas du sang neuf, enfin tu vois, de l'énergie qui rentre. Ben, t'auras beau essayer d'économiser, économiser, ça va pas, je veux dire, voilà, à un moment donné, il faut quand même réussir à bouffer, il faut quand même réussir à s'habiller, il faut quand même réussir à se loger, et c'est pas facile, et c'est pas facile pour tout le monde, quoi, tu vois ce que je veux dire? Alors, si ça t'intéresse, moi je t'invite à regarder là, maintenant, tout de suite, en description de la vidéo, parce que ce dont je suis en train de te parler, ça, c'est le principe numéro 7 de la liste des 13 principes du frugalisme. Principe numéro 7, donc, c'est d'avoir un revenu régulier, d'accord? Si tu veux découvrir les 12 autres principes du frugalisme, mais surtout comment tu vas réussir à les mettre en application facilement maintenant dans ton quotidien, tu vas voir, donc, en description de la vidéo, tu rentres. Tu cliques, tu rentres ton email et je t'envoie tout de suite la liste des 13 principes du frugalisme et surtout comment tu vas réussir à les appliquer dans ton quotidien pour avoir plus d'argent, donc plus de liberté. L'argent est un outil de liberté et d'émancipation, tout simplement. Alors, si tu ne me connais pas, moi c'est Jérémy, je suis l'auteur d'un livre sur l'indépendance financière qui s'appelle Un salaire sans rien faire ou presque. C'est aux éditions Robert Laffont et tu le trouves dans toutes les librairies. Fnac, Amazon, Décitre, Cultura, Furet du Nord, j'en passais des meilleurs partout. Là aussi, tu trouveras des liens en description de la vidéo. Donc, je suis auteur et je suis formateur et je forme mes clients justement à mieux placer leur argent, à mieux aussi épargner pour avoir plus de liberté. Je ne suis pas conseiller financier, moi, mon rôle, c'est de faire de l'éducation financière. Voilà. Pas de dire aux gens tu dois faire ci, tu dois faire ça. Je préfère justement que mes clients fassent les choses d'eux-mêmes en ayant un maximum d'informations et de compréhension de la manière avec laquelle ils vont pouvoir réussir facilement à placer leur argent pour le faire travailler à leur place. L'idée étant qu'on échange moins notre temps de vie sur Terre, chaque seconde qui passe, pour de l'argent, mais de faire travailler l'argent pour nous, le plus possible, en le plaçant intelligemment, en faisant des investissements, que ce soit dans l'immobilier, la bourse. Voilà, il y a plein de choses à faire. Je t'invite à regarder le catalogue de formation si tout ça t'intéresse et que tu veux aller plus loin. Mais de toute façon, si t'as pas un revenu régulier, si t'as pas de thunes qui rentrent, si t'as pas un salaire, je suis désolé, ça va pas le faire, quoi, tu vois. Donc, si tu démarres de zéro, que t'as pas de thunes, que t'as pas de salaire, faut peut-être tout simplement commencer par, j'en sais rien, par faire de l'intérim ou par faire des choses comme ça. Et tu sais, moi, j'ai jamais été en CDI de ma vie et pourtant, ça m'a pas empêché de faire 7 crédits immobiliers. Donc, si j'ai pu le faire, tu peux le faire aussi. Par contre, le truc, c'est que le fait que j'étais dans une situation de précarité du fait que j'étais pas en CDI, je faisais quand même beaucoup de CDD et j'avais quand même des revenus réguliers malgré tout qui rentraient et des revenus réguliers qui étaient tellement réguliers en fin de compte que, et ça c'est quelque chose qui est essentiel, que en fin de compte, le montant que je déclarais aux impôts, si tu veux, mon revenu net de référence, c'est ça que je cherchais, qu'on voit sur la feuille d'impôt, sur les dernières années, il était tout le temps en progression. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est un élément primordial que la banque va regarder lorsque tu vas vouloir la solliciter pour faire un emprunt immobilier. Elle va te dire, donnez-nous des fiches de paye. Donc tu vas dire, voilà, moi je suis intérimaire, donc voilà un million de fiches de paye. Et puis en même temps, elle va te dire d'accord, et les derniers avis d'impôt, et donc elle va voir que malgré tout, malgré ta précarité flagrante, je dirais, eh bien les revenus sont quand même en progression. Ça, c'est des éléments qui sont importants. Ça, c'est des éléments qui font que même quand on n'est pas en CDI, on peut réussir à se faire financer par une banque. C'est intéressant tout de même. Mais pour ça, il n'y a pas de secret, il faut avoir un revenu le plus régulier possible. Principe numéro 7 du frugalisme, des 13 principes du frugalisme. Si tu veux découvrir les 12 autres principes du frugalisme, tu regardes là ici en dessous, tu as un lien, tu rentres ton adresse email et je t'envoie la liste complète des 13 principes du frugalisme. Tu vas voir, c'est pas compliqué et ça va te donner des idées sur la manière avec laquelle tu vas pouvoir l'appliquer dans ta vie. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est que ça puisse être quelque chose, un document utile qui va peut-être te permettre de changer radicalement les prochaines années qui seront les tiennes, quoi. Il n'y a rien de mieux. Moi, quand j'ai des clients qui me disent « Ah bah tiens, Jérémy, c'est cool, j'ai réussi à faire ceci, cela. » Enfin, t'imagines, pour moi, c'est une immense fierté, quoi. Quand j'ai des gens qui me laissent des gentils commentaires et tout, par rapport à mon travail et mes formations, c'est extrêmement, extrêmement satisfaisant et on se sent profondément fier de faire quelque chose qui est utile. Voilà. Donc, cette liste, je te l'offre.
Et tu vas pouvoir justement l'appliquer. Tu sais, si on démarre de zéro et qu'on a un problème de revenus, eh bien, il faut essayer de travailler à augmenter ses revenus. Travailler à augmenter ses revenus, malheureusement, c'est pas si facile parce que, quoi qu'en disent certains, bah, il suffit pas de traverser la rue pour trouver du taf. C'est pas toujours aussi simple que ça. Parfois, il faut réussir à augmenter ton niveau de formation pour accéder à des nouvelles positions. Peut-être même que dans ton travail, tu es aujourd'hui dans une situation de souffrance professionnelle parce que tu fais un taf que t'aimes pas avec des gens que t'aimes pas, un patron que t'aimes pas qui te fait souffrir. Moi, ce que je veux te dire, c'est que tu peux tout à fait sortir de ça. C'est pas si simple, mais c'est possible. Et je voudrais vraiment apporter un message positif là, maintenant, en te disant que oui, il te faut un revenu régulier, mais oui, il faut pas non plus te compromettre au point que ce soit quelque chose, le fait d'aller travailler, que ce soit quelque chose qui te détruise. Tu dois trouver suffisamment de satisfaction dans ce que tu fais pour être fier et pouvoir continuer à y aller, etc., et te sentir bien. Avoir un revenu régulier, ça va t'apporter énormément de choses. D'abord, ça va t'apporter de la sérénité parce que tu vas être moins en galère de thunes. En plus, ça va t'apporter de la sécurité financière, plus parce que tu vas être plus en capacité d'épargner, peut-être de rembourser tes dettes, peut-être de mieux rembourser tes crédits, parce que tu vas avoir plus de liquidités qui rentrent. Plus d'argent qui rentre, plus de liberté, plus de sérénité, et ça, c'est quelque chose dont tu vas pouvoir profiter là, tout de suite, maintenant, pas demain. Et petit aparté, mais d'importance, si t'aimes cette vidéo, faut pas hésiter à lâcher un pouce, faut pas non plus oublier de t'abonner à la chaîne et de cliquer la cloche, là, c'est très important pour recevoir les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, j'en suis ravi, et je t'invite également à consulter là sur le blog, tu vas trouver des tas d'articles qui vont t'aider, qui vont te donner des idées sur la manière avec laquelle tu vas pouvoir mieux placer ton argent pour le faire travailler à ta place. C'est ça qui est essentiel, c'est de comprendre que nous ne sommes pas venus sur Terre pour être uniquement comme des robots là qui vont travailler, mettre au boulot dodo, mais d'essayer justement de faire des choses intelligentes qui vont te permettre de mieux profiter de la vie, de mieux profiter de ta famille, de mieux profiter de tes amis, de tes loisirs, bah, du temps qui passe, quoi, tout simplement. Au fond, est-ce que c'est pas ça le plus important? Profiter de la vie, elle passe qu'une fois, il paraît. Alors tu vois, j'ai pas envie de la foutre en l'air, hein, en faisant n'importe quoi pour un patron et à enrichir un autre. On a plutôt envie d'essayer de se mettre nous bien. Donc un travail, c'est probablement quelque chose d'indispensable aujourd'hui pour toi. Eh bien, il faut essayer de trouver un travail qui sera le plus rémunéré possible, mais qui fait en même temps que tu ne seras pas en situation de souffrance. Facile à dire, dans la pratique, c'est un peu plus compliqué. Il y a des techniques. J'ai fait des vidéos sur les manières de trouver du travail, sur le burn-out aussi. Je t'invite à regarder tout ça en description de la vidéo. J'ai fait des tas de choses là-dessus qui peuvent t'aider à un moment donné si tu es aujourd'hui dans une situation potentiellement difficile. Mais encore une fois, ce que je veux te dire, c'est que le fait d'avoir des revenus réguliers, ça va te donner beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de liberté. Et c'est bien évidemment le principe numéro 7 des 13 principes du frugalisme, dont tu peux télécharger là, maintenant, la liste complète dans le lien en dessous de cette vidéo. Voilà, c'était Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et Liberté Financière. Et si tu as aimé cette vidéo, lâche un pouce, abonne-toi à la chaîne, clique la cloche, voilà. Et je crois que j'ai à peu près tout dit. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Merci et salut chez toi.